I'll put you in front, in front of my melody. You are all that matters, you are all that matters. I'll make room for two, you and I, Jesus. You are all that matters, you are all that matters. Oh, hey, oh, hey. You are all that matters. Oh, hey, oh, hey. You are all that matters. Oh, hey, oh, hey. You are all that matters. Oh, hey, oh, hey. Talking on a title, you will get better. Je parle sur un thème que j'ai intitulé Tu iras mieux. God's promise against hopelessness. La promesse de Dieu contre le désespoir. Tell somebody by your side, you will get better. Dis à quelqu'un, tu iras mieux. That's God's word for you and I this morning. Telle est la parole de Dieu pour vous et moi ce matin. Because he is faithful, parce qu'il est fidèle, the one who calls you, celui qui t'appelle, he is also able, il est aussi capable, to bring it to pass, de l'accomplir. Amen. Amen. Down through generations, à travers les générations, God has proved himself faithful. Dieu s'est montré fidèle. And down through those same ages, et à travers les âges, God has been walking towards his perfect plan and purpose for our lives. Dieu a œuvré pour accomplir ses plans parfaits pour nos vies. And that plan of God for our lives, et ce plan de Dieu pour nos vies, is that of Christ. C'est celui de Christ. And all about Christ. Et il ne s'agit que de Christ. And the work that he wants to do in our lives, et l'œuvre qu'il veut accomplir dans nos vies, is to transform us into the image and likeness of his son Jesus Christ. C'est de nous transformer à l'image et la ressemblance de son fils Jésus. Spirit, soul and body. En esprit, en l'âme et le corps. He has set out his word. Il a fait sortir sa parole. And it is through his word that these will be accomplished. Et c'est à travers sa parole que cela va se produire. That's the God that we are serving. Voilà le Dieu que nous servons. And this is one of his promises for our lives this morning. Et voilà l'une de ses promesses pour nos vies ce matin. In times like these, en de tels moments, we need to lean or to learn more about standing on God's promises. Nous devons apprendre davantage à nous tenir sur les promesses de Dieu. Because you can't stand, parce que vous ne pouvez pas vous tenir, on what you don't know, sur ce que vous ne connaissez pas. And that's why we need to hear what the Holy Spirit has to say to us this morning. Et voilà pourquoi nous sommes censés écouter ce que l'Esprit a pour nous ce matin. Our main text is drawn from 1 Thessalonians chapter 5. Notre passage principal est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verse 23 and verse 24. Versets 23 et 24. The Bible says, la Bible dit, may God himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful and he will do it. 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même
tout entier et que tout votre esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. I have underlined the word sanctify you true and true. J'ai souligné le mot vous sanctifier à travers. And other translations say, d'autres traductions disent sanctify you completely, vous sanctifier complètement, make you completely holy, vous rendre pleinement saint, and make you pure, belonging only to him, et vous rendre pur l'appartenant seul. Paul is rounding up his letter to the Thessalonians. Paul est en train de clôturer sa lettre aux Thessaloniciens. And in the ending of his letter, he makes a prayer which at the same time is God's promise for his people. Et à la fin de sa prière, à la fin de sa lettre, il fait une prière qui est au même moment une promesse de Dieu pour son peuple. At the time he is making this prayer, au moment où il fait cette prière, this has not yet happened in the lives of the believers. Ceci ne s'était pas encore produit dans les vies des croyants. Neither in that time when he was writing, nor right here this morning for all of us who are seated here. Et c'était valable à l'époque où il écrivait et encore valable aujourd'hui pour nous autres qui sommes assis ici. But because it was a prayer, mais parce que c'était une prière that was based on the word of God, basée sur la parole de Dieu, which is God's desire and promise for his people, qui est le désir et la promesse de Dieu pour son peuple, he only prayed God's mind to the people. Il prie la parole de Dieu pour son peuple. And they got better eventually. Et ils se sont sentis mieux éventuellement. And because they got better eventually, et parce qu'ils se sont sentis mieux, you and I are going to get better. Vous et moi, nous allons nous sentir because mieux. The same word that stood then, parce que la même parole qui a compté pour eux, is the same word that is coming out for you and I this morning. C'est la même parole qui sort pour vous et moi ce matin. Ancient word. Les paroles anciennes. Did you say ancient words or ancient word? Ancient words. That's what the choir sung this morning. Et les paroles anciennes, c'est ce que la chorale a chanté ce matin. Hallelujah. Amen. We can paraphrase this desire of Paul in this way. Voici comment nous pouvons paraphraser ce désir de Paul. Lord, I have taught these people all I know. Seigneur, j'ai enseigné à ces gens tout ce que je savais. You've got to take over. Tu dois prendre le relais. Unless you help them, à moins que tu ne les aides, they will not become right. Ils ne peuvent pas être droits. Hallelujah. Amen. It is not the preacher. C'est pas au prédicateur that does the transformation. D'apporter la transformation. It is the Holy Spirit of God. C'est le Saint-Esprit de Dieu that brings the conviction. Qui apporte la conviction. And unless he does it, et à moins qu'il ne le fasse, whatever we do, peu importe ce que nous faisons, will just be effortless struggles. Ça sera des efforts vains. And that leads me to a kind of a definition of what he means by sanctification. Et ceci me pousse à déduire une définition de ce qu'il entend par sanctification. It is everything God does in our lives to make sure we turn out right. C'est tout ce que Dieu fait dans nos vies pour assurer que nous terminons juste. The question you may want to answer this morning is, la question que vous pouvez vouloir poser ce matin, who is in control, qui est au contrôle, of your life, de votre vie, or, ou alors, who is in charge, qui a le dessus, who is in charge, qui a le contrôle.
You know, one of the reasons why we struggle a lot in our Christian walk is because someone else other than God is in charge. L'une des raisons pour lesquelles nous nous débattons dans notre marche chrétienne, c'est parce que quelqu'un d'autre que Dieu est en charge. And the worst person to be in charge of your life is you yourself. Et la pire des personnes à être au contrôle de votre vie, c'est vous-même. We are not finished yet. Nous n'avons pas encore fini. That's why we pray and seek God. Voilà pourquoi nous prions et cherchons That's Dieu. That's why we come to church. Voilà pourquoi nous venons That's à l'église. Why we read his word. Voilà pourquoi nous lisons That's sa why parole. We pray and fast. Voilà pourquoi nous prions That's et why jeûnons. We gather together with other believers. Voilà pourquoi nous nous rassemblons avec That's tous les croyants. Why we listen to his word. Voilà pourquoi nous écoutons sa parole. Someday, un jour, we will be finished. On aura fini. That's what sanctification means. C'est ça la sanctification. I want to bring out a few points that have emerged from these two verses. J'aimerais ressortir quelques points qui ressortent de ces deux versets. Five of them, and then we are going to pray. Cinq points et nous allons prier. Well, the first thing we want to ask this morning is. Mais la première question que j'ai à poser ce matin. Who is doing the work? Qui fait le travail? Paul in verse 23 A says. À la première partie du verset 23, Paul dit. May God Himself, puisse Dieu lui-même, the God of peace, le Dieu de paix. So we have the guarantee of sanctification. Alors nous avons la garantie de la sanctification. And when you look at it in the original language, et quand vous regardez dans la version originelle, Paul is using a phrase that drives his point home. Paul utilise une phrase qui fait ressortir ce qu'il a en tête. God Himself. Dieu lui-même. God Himself. Dieu lui-même. The God of peace. Le Dieu de paix. In the original language, it starts by saying God. Dans la version originale, il commence à dire Dieu. God Himself. Dieu lui-même. God Himself. Dieu lui-même. The God of peace. Le Dieu de paix. Hallelujah. Amen. Here is the truth Paul is trying to bring out from this passage. Voilà la vérité que Paul essaye de ressortir de ce passage. Only God can make you better. Seul Dieu peut te rendre meilleur. Only Jesus can make you feel better. Seul Jésus peut te faire te sentir meilleur. A lot of us eat things because we want to feel better. Plusieurs mangent des choses pour bien se sentir. A lot of us drink things because we want to feel better. Plusieurs boivent des choses pour bien se sentir. A lot of us go to places because we want to feel better. Plusieurs vont dans des endroits pour mieux se sentir. But that betterness which is obtained from things, mais ce mieux qui est obtenu à travers des choses, has no long-lasting effect. Ne dure pas. The real betterness, le vrai mieux, becoming holy, et qui te rend donne la plénitude, is only obtained, n'est obtenu from God, que de Dieu. Think about this for a moment. Pensez-y un instant. You can do exercises to improve yourself. Vous pouvez faire des exercices pour vous améliorer. You can do abdominaux to help your stomach. Vous pouvez faire des abdominaux pour votre ventre. Friends may come around and lift up your spirit. Les amis peuvent venir et égayer votre esprit. But mais it lasts just for a moment. Ça ne dure qu'un seul instant. God is the author. Dieu est l'auteur. And the source. Et la source. Of our spiritual fulfillment. De notre accomplissement spirituel. Progress. Le progrès. And happiness. Et le bien-être. And sometimes it is easy to forget this truth when we begin to struggle with some things about our lives. Et parfois il est facile d'oublier ces vérités quand nous nous battons avec des choses dans nos vies. Sometimes in our battle against sin,
Parfois, en nous bataillant contre le péché, we struggle by our own selves to live right. Nous essayons de nos propres forces de vivre and juste. Sometimes we can stand and we say, Lord, see how I have struggled to become right. Et parfois, on peut se tenir et dire, Seigneur, regarde comment je me bats pour être juste. I did it all by myself. Je l'ai fait de moi-même. But we are wrong when we begin to boast that way. Mais nous ne sommes pas justes quand nous commençons à nous enorgueillir ainsi. Remember the words of Jesus in John chapter 15 verse 5. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Jean 15. Without me, sans moi, you can do nothing. Vous ne pouvez rien. The only thing that brings to life is the true and the real word of God. La seule chose qui ramène à la vie, c'est la véritable parole de Dieu. Without Christ, sans Christ, you can do nothing. Vous n'y pouvez rien. When we finished praying here on Friday, a sister came to me and said, "Pastor, the message last Sunday brought me back to life." Quand nous avons fini de prier ici vendredi, une sœur est venue me dire, "Pasteur, le message de dimanche passé m'a redonné la vie." I had died 1 year ago. J'étais mort il y a de cela un an. And only last Sunday. Et ce n'est que dimanche passé. Did I resurrect? Que je suis ressuscité. By the word of God. À travers la parole de Dieu. I don't know how many more of us died 2 years, 3 years, 4 years ago. Je ne sais pas combien parmi nous sont morts 2, 3, 4, 5 ans auparavant. I just realized that it is very possible that we do church every day, 3 times a week, and yet we died 5 years ago. J'ai juste constaté qu'il est possible qu'on vienne à l'église 3 fois par semaine et pourtant on est mort il y a de cela 5 ans. Because we started struggling to live right by ourselves. We started struggling with a life of sanctification by our works. We started struggling to pray by our own very strength. Parce que nous avons commencé à nous battre, à faire des choses de nos propres forces, prier de nos propres forces, vivre une vie de sanctification par nos forces. Without me, you can do nothing. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. This is Jesus, the giver of life, speaking. C'est Jésus, le donneur de vie, qui parle. Without me, sans moi, all your calculations, tous vos calculs, all your smartness, toute votre agilité, all your, I don't know what, will result to nothing if you have this plus this. Plus this, plus that, minus Christ, you are nothing. Et sans moi, peu importe ce que vous avez, ça ne sert à rien. Vous n'êtes rien. Brethren, frère, sanctification, la sanctification starts with God. Commence avec Dieu. And ends with God. Et finit avec Dieu. That brings us to the second point. Ceci nous ramène au deuxième point. What's the purpose? Quel est le but? It is to sanctify you completely. C'est pour vous sanctifier complètement. When we translate it from the original language, quand nous prenons la version originale, it has two parts. Il y a deux parties. It means, ça veut dire whole, plein. Plus in the end. Plein et à la fin. God has ordained his children. Dieu a ordonné ses enfants. Without exception. Sans exception. That we will be made complete. Afin que nous puissions avoir la plénitude. Look at someone and say, complete. Dis à quelqu'un, plénitude. We are not yet there right now. Nous ne sommes pas encore là. Most of us feel fragmented. Certains se sentent fragmentés. And torn in different
in 100 different directions. Et déchiré dans une centaine de directions. But we are in God's workshop. Mais nous sommes dans l'atelier de Dieu. When we finally get to his presence, quand nous arrivons finalement dans sa présence, that is when the hammering and the sawing and the painting and the repainting would have finished. C'est en ce moment que la peinture, les marteaux et tout ce qui a à faire sera fini. And when we will stand before him, et se tenant devant lui, the Bible says that we shall be like him. La Bible dit que nous serons comme lui. Complete. Complet. Complete. Complet. Whole. Plein. Without any spot. Sans tache. Without any wrinkle. Ni ride. That's what God is doing and working now in our lives. Voilà ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. We are not finished yet. Nous n'avons pas encore fini. But we will be. Mais nous le serons. We are not completely clean today. Nous ne sommes pas pleinement nettoyés aujourd'hui. But we will be. Mais nous le serons. We are not wholly wise today. Nous n'avons pas la plénitude de la sagesse aujourd'hui. But we will be. Mais nous le serons. It's a renovation process. C'est un processus de rénovation. And I have learned. Et j'ai appris that renovation. Que la rénovation takes longer than you estimated. Prend plus de temps que nous n'avons estimé. And it costs more than you expected. Et ça coûte plus que ce que nous avons attendu. Nothing is ever easy as it looks. Rien n'est jamais facile comme il le semble. I went to Douala to help a friend to renovate his house. Je suis allé à Douala aider un ami rénover sa maison. And he asked me how long will this take. I said, "Ah, man, 2 weeks is going to be over, you know." Il m'a dit, ça va prendre combien de temps? J'ai dit, en 2 semaines, ça sera fini. And then when the technician started, et quand les techniciens ont commencé, I began to realize, j'ai commencé à constater, because as they begin to dig here, parce que quand ils commencent à creuser ici, the wall you thought was okay, le mur que vous pensiez être okay, you now realize that there was some decay under that place. Vous commencez à constater des pourritures à l'intérieur. That you did not notice. Que vous n'aviez pas constaté. So what you anticipated to take 1 hour. Alors ce que vous pensiez faire en now une heure. Now takes hours or even days. Peut prendre même des jours. Because you don't just want to cover up that place. Parce que tu ne veux pas juste couvrir l'erreur. You want to dig until you get to hard soil and put and lay a solid pillar. Parce que tu veux creuser jusqu'à trouver la terre dure et mettre une fondation ou un pilier solide. And that's what is happening with our lives. Et c'est ce qui se passe avec nos vies. Sometimes as God opens us up, parfois quand Dieu nous ouvre, what we thought was going to take 5 minutes, ce que nous pensions prendre 5 jours, there has been rottenness inside that has been for 10 years. Il y a des pourritures à l'intérieur qui ont déjà duré 5-10 ans. And because he will leave nothing untouched, et parce qu'il ne laissera rien sans toucher, he takes his time. Il prend son temps to bring out that wholesomeness pour faire sortir cette plénitude. Nothing is ever as easy as you think. Rien n'est aussi facile que vous ne le pensez. You are fixing this one, then this one breaks. You want to fix this character, then this other character breaks. You want to do this, and this one breaks. Tu arranges ceci et ceci se brise. Tu arranges ce caractère et ceci en ressort. I decided that motorbike drivers will no longer offend me. J'ai décidé que les mototaxis ne vont plus m'offenser. No matter how much they insult me. Et peu importe combien ils m'insultent. And kind of like they stop insulting me. Et apparemment ils ont cessé de m'insulter. And the passengers they carry now began insulting me. Et leurs passagers ont commencé à m'insulter.
One little mistake, the other day, one of the passengers, he just made to me like this. Une petite erreur, l'autre jour, l'un des passagers m'a fait comme ça. The other day, I was about to turn in this corner and I put on my trafficator. You know, when you turn back the steering, the trafficators come back this way. And the man behind, I not seen, he made to me like that. Where is your, and then when he was coming close, I said, villageois. Et l'autre jour, je prenais le virage ici, j'ai mis mon clignotant et celui qui était derrière n'a pas vu. Et quand il était en train de me traverser, il a fait sa main comme ça et il a fini par me dire villageois. And then something started welling up in me. Et quelque chose a commencé à jaillir en moi. I was saying to myself, if I just catch this man. Je me disais, si j'attrape seulement cet homme. And then I heard the Holy Spirit say, God's will. Et j'ai entendu le Saint-Esprit. So much work. God's will, il y a trop de travail. That needs to be done in you in that area. Qui doit être fait en toi dans ce domaine. That's a job so tough that only God can attempt to do it. Et ceci nous amène au raisonnement que seul Dieu peut essayer de le faire. Today our holiness is in spots. Aujourd'hui notre plénitude, notre sainteté est tachetée. When God gets through with us, quand Dieu aura fini avec nous, that holiness, cette sainteté will be complete. Sera complète. Hallelujah. Amen. What is this anticipation? Quelle est l'anticipation? What is he anticipating? Qu'est-ce que nous anticipons? God is the one doing the work. C'est Dieu qui fait le travail. He wants to work in your spirit. Il veut travailler dans ton esprit. In your soul. Ton âme. And in your body. Et ton corps. Your whole spirit, soul and body. That's what he says. Tout ton esprit, ton âme et ton corps. So this phrase tells us the extent of our sanctification. Alors cette phrase nous donne la dimension de notre sanctification. He intends to renovate the whole person. Il veut rénover toute ta personne. Nothing will be left or overlooked. Rien ne sera mis de côté. I was talking with a lady yesterday. Je parlais avec une dame hier. And she told me. Et elle m'a dit. Pastor, tu sais. Pastor, you know. Mon mari s'aime beaucoup. My husband loves himself so much. Trop que il n'est pas fini de s'aimer so avant de trouver un espace pour m'aimer. So much such that he has not finished loving himself before finding space to love me. Well, that's serious. Est-ce que c'était sérieux? That's serious. Ça, c'est sérieux. And that's where some of us are. Et c'est l'endroit où certains parmi nous sommes. Sometimes we overlove ourselves. Parfois nous nous aimons tellement. To the extent that we don't even want God to do anything about us. Au point où nous ne voulons même pas que Dieu fasse quoi que ce soit nous concernant. And she said, il s'aime jusqu'à un niveau où même la décoration à la maison. Moi, je n'ai pas eu un mot sur ça. Si tu entres chez nous, tout ce qui est comme décor, tout ce qui est comme peinture, c'est l'idée de mon mari et mon mari seul. Si j'essaye de changer une petite couleur pour me plaire, je suis... Et la personne dit, he loves himself so much that even the decor, the painting and everything that is done in the house is completely and totally his idea. I don't have the right to change any single thing. You know that you don't only love yourself. Tu sais que non seulement tu t'aimes. When you put some color lights in your room like I did.
Tu sais que tu t'aimes beaucoup quand tu mets non, that you don't only love yourself. Okay, tu sais que tu ne t'aimes pas seulement quand tu mets des lumières colorées dans ta chambre comme j'ai fait. And the first day you put it on, your wife says, I don't like this color. Et le premier jour tu allumes, ta femme dit, je n'aime pas ces couleurs. And then those lights have been off since the day I put them. Et ces lumières ont été éteintes depuis le jour où je l'ai mis. Sometimes when she's not there, I put them on. I say, ah, let me. Parfois quand elle n'est pas là, j'allume et je dis que je puisse. Then I tell myself, oh, master, I don't suffer. Et je me dis, ma, j'ai souffert. That's how God struggles with us sometimes. Et c'est ainsi que Dieu se bat avec because nous parfois. There are some cravings, some things we crave after, and God says that color is not good for you. Parce qu'il y a des choses derrière lesquelles nous courons, et Dieu dit cette couleur n'est pas bonne pour toi. And sometimes when He is not there, you put on that color. You say, oh my goodness. Et parfois, quand tu sais qu'il n'est pas là, tu mets cette couleur et tu te dis, oh. And when he comes back, he says, darling, those colors, can you turn off the lights? Et quand il revient, il dit, la couleur, est-ce que tu peux éteindre la lumière, chérie? Until you get used to turning off those lights, that you get to the point where you do not even remember that those lights exist anymore. À moins que tu devrais arriver au stade où tu ne te souviens même plus que ces lumières existent. That's what God is doing in your spirit, in your soul, and in your body. Voilà ce que Dieu est en train de faire dans votre esprit, dans votre âme et votre corps. If you had to change something about yourself, si vous devriez changer quelque chose à votre sujet, what would you change? Que changeriez-vous? If you ask me straight away, I'll tell you I need a flat stomach. Si vous me demandez, je vais dire j'ai besoin d'un ventre plat. And if you ask some people, they will say, well, "Want to?" That's why I'm always on heels. Want to grow taller. Si on demande à d'autres, ils vont dire, "Je veux un peu plus de taille." C'est pour ça que je mets toujours les talons. There are some of us here. If we were given the opportunity to change, they will not recognize one part of your body no more. Il y en a ici. Si on vous donnait l'opportunité de changer, on ne va même pas reconnaître une seule partie de votre corps. You will change everything about you. Vous changerez tout à votre sujet. And then you will come and say, hey sister. Everything has changed. Tout aurait changé. And because of aging, some of us we wear implants. Et à cause de l'âge, certains parmi nous, nous avons des implants. We have crowns. Nous avons des couronnes. Crowns, okay. Whatever they call in the dental. Oui, nous avons mis des prothèses. Some of us have pacemakers. Certains parmi nous, nous avons. Je sais, mais je ne connais pas en anglais. Some of us we have some biological lenses. Certains ont des lentilles biologiques. You know, there are some of us who have gotten to the place where this eye sees far and this eye sees here. So when you go to is it the ophthalmologist? They give you lenses that this side is different from this side to balance your view. Vous savez, certains sont arrivés au point où leurs deux yeux, ceci regarde loin, ceci regarde à côté. Donc, quand ils partent chez l'ophtalmologue, on leur donne les verres qui vont équilibrer les choses pour qu'ils puissent voir de manière équilibrée. One of our daughters, they had to replace her hips. L'une de nos filles, on a dû remplacer sa hanche. And there are some of us who walk with irons in our bodies. Et il y en a qui ont des fers dans leur corps. So there are times in life where you feel like they have taken a super glue and they held you. You are walking and that's not you. Et il y a parfois comme ça, c'est comme si on a pris la colle et on t'a collé un peu partout,
et tu marches, c'est comme si c'est pas toi. The breaking down of our body system, notre système corporel quand cela tombe en panne, reminds us, ça nous rappelle, that God has something better in store for us. Que Dieu a quelque chose de mieux en réserve pour nous. Eventually we come to the things in the heart that needs fixing. Et nous arrivons éventuellement aux choses dans nos cœurs qui ont besoin d'être arrangées. Someone has said people change slowly. Quelqu'un a dit que les gens changent doucement. And another lady has said people never change. Et une autre a dit les gens ne changent jamais. I don't remember all her statement, but it had to do with like they just pretend. Et je ne me souviens plus exactement de ce qu'elle a dit, mais elle disait quelque chose du genre ils font juste semblant. But this is the truth. Mais voici la vérité. You can never change. Tu ne peux jamais changer by your own efforts. De tes propres forces. How many times did you tell yourself I will fast once every week? Combien de fois as-tu pris la résolution de jeûner une fois par semaine? How many times did you break that promise? Et combien de fois as-tu brisé cette promesse? Do you know why you could not do it? Savez-vous pourquoi vous ne pouvez plus le faire? You wanted to do it by. Vous vouliez le faire de vos propres. Not by might. Pas par la force. Not by power. Ni par la puissance. But by what? Mais par quoi? Think about the struggles of your own life. Pensez aux déboires de votre propre vie. What would you desire to be changed of yourself on the inside? Qu'est-ce que tu désireras qu'on change à l'intérieur de toi? Will it be an impatient spirit? Est-ce que c'est l'impatience? Will it be a critical tongue? Est-ce que c'est une langue critique? There are some of us, anything that we hear, we are so critical about it. We want to criticize, we want to condemn it. Il y en a, tout ce qu'ils entendent, ils veulent critiquer, ils veulent condamner. Even when we must not talk, we just talk. Même quand il ne faut pas parler, on parle. And sometimes it says, shut up, and yet you are still talking. Et parfois tu te dis, tais-toi, mais tu continues à parler. I remember a mother who was beating one of his children or one of her children in our quarters in those days. He said, you this pekin, even if they lock your mob, you go talk for enos. Je me souviens d'une maman qui était en train de taper son enfant en disant, toi l'enfant, si même si on ferme ta bouche, tu vas parler avec l'anus. Will it be envy of those around you? Est-ce que ce serait envieux des gens autour de toi? Will it be a spirit of discontentment? Est-ce que ce sera plutôt un esprit de manque de contentement? Will it be a lingering resentment? Est-ce que ce sera plutôt un ressentiment qui est là depuis? I have been amazed of how some people didn't greet me for more than 6 months, 1 year, and that was on the basis of a misunderstanding of something that never existed. Et je suis émerveillé par comment des gens ne m'ont pas salué pendant plusieurs, 6 mois, 1 an, sur la base de malentendus de quelque chose qui n'avait jamais existé. I am amazed of how some of us so often we refuse to come to church for 3 months or 6 months, for 1 year, just because nobody visited me. Et je suis émerveillé par comment certains ne viennent pas à l'église 3 mois, 6 mois, 1 an, juste parce que personne ne m'a visité. Will it be lost? Est-ce la luxure? You want to conquer. Tu veux la convoitise. Ou la convoitise. Will it be a guilty conscience? Est-ce une conscience coupable? Will it be a judgmental spirit? Un esprit de jugement. Will it be a quick temper? Ou alors vous êtes colérique. Some of you sometimes when the anger rises, you feel how it is walking down this your arm and your hand begins to die and all of that. But yet you still say, I go match on.
Certains parmi vous, quand cette colère monte, vous sentez comment vos membres commencent à vouloir se paralyser, mais malgré cela, vous dites, je vais finir. Your heart becomes hot. Ton cœur commence à chauffer. For something that you don't need. Pour quelque chose que tu n'as même pas besoin. That is killing you. Et qui te tue. Would it be profound discouragement? Est-ce que ça peut être un découragement profond? There's some of us. Il y en a parmi nous. Whose heads have been bowed. Qui ont des têtes courbées. For many years. Pendant plusieurs années. You sat in that corner. Tu t'es assis dans ce coin. And you have been in that corner for as long as no one can remember. Et tu as été dans ce coin aussi longtemps que quelle personne ne peut se souvenir. Would it be an ungrateful spirit? Est-ce un esprit d'ingratitude? Here is the good news of the gospel. Voici la bonne nouvelle de l'évangile. We are going to be changed. Nous serons changés. You are going to get better. Vous allez vous être mieux. Look at someone again. Regarde quelqu'un. And tell that person. Dis à la personne. You are going to get better. Tu seras mieux. The fourth is our state. Quatrième, c'est notre état. What does God intend to do? Qu'est-ce que Dieu entend faire? To bring us to that blameless position nous, at his coming. Nous faire arriver à cette position sans faute pendant qu'il vient. Who is here who can boast that no one has something against him or her? Qui est ici et qui peut s'enorgueillir du fait qu'il n'y a personne qui a quelque chose contre lui? You are only blameless. Tu n'es sans blâme. If no one can bring a charge against you. Que si personne ne peut t'accuser de quoi que ce soit. And that's not true of most of us. Et c'est pas vrai pour plusieurs parmi nous. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? The good news say. La bonne nouvelle. To bring you to a place where you are free from every fault. La version Good News dit vous fait arriver à un endroit où vous êtes libre de toute faute. And the Phillips translation says. Et la traduction Phillips spotless dit. Spotless integrity. L'intégrité sans tache. My wife sent me a video the other day. L'autre jour, mon épouse m'a envoyé une vidéo. And it was a policeman from Nigeria. Et c'était un policier du Nigeria. And he was talking how he respects traffic lights. Et il disait comment il respecte les feux de signalisation. Even when people are honking behind him. Et même quand les gens klaxonnent derrière lui. And I felt so guilty. Et je me suis senti tellement coupable. Because these traffic lights at Tam Tam weekend here. Parce que les feux à Tam Tam weekend là. So yesterday when I drove to Tam Tam weekend. Alors hier quand je suis arrivé à Tam Tam weekend. I stopped. Je me suis arrêté. And then my mind was telling me, but there are no cars coming that way. Et dans ma tête, je disais, il n'y a pas de voiture qui vient. And the spirit was saying, God's will, the light is red. Et l'esprit me disait, God's will. And there was this taxi man behind me. Pom, 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 pom. Et il y avait ce taxi man qui klaxonnait. People can rush you into your destruction if you lack integrity. Les gens peuvent te pousser vers ta destruction si tu manques d'intégrité. When Jesus returns, quand Jésus retournera, two things must happen. Deux choses vont se produire. Our character will be revealed. Notre caractère sera révélé. Our perfection will be complete. Notre perfection sera complète. You are going to get better. Vous irez mieux. And the last one, la dernière chose, is the promise. C'est la promesse. The one who calls you, celui qui t'appelle, is faithful.
est fidèle. And he will do it. Et le fera. Before you say amen, avant de dire amen, answer that question. Réponds à cette question. Who has called you? Qui t'a appelé? Because if it is Jesus, parce que si c'est Jésus, who called you, qui t'a appelé, you will not look on any man for nothing. Tu ne regarderas à personne pour rien. Even when men fail you, même quand les hommes, he who has called you, celui qui t'a appelé, is able, est capable, to do it, de le faire. In Romans 8:29, Paul says, dans Romains 8:29, Paul dit, that we are predestined to be conformed to the image of his son. Que nous sommes prédestinés à être conformes à l'image de son fils. Think about the words predestined. Pensez au mot prédestiné. It means pre, that is before we ever become sanctified, we have been chosen that we shall become. Prédestiné veut dire avant que nous ne soyons sanctifiés, nous avons été choisis à l'être. And destined, et destiné, means veut dire that is where you would end up. C'est là où tu finiras. So cease fighting with God. Alors arrête de combattre avec Dieu. And allow him to do the work. Et laisse lui faire le travail. That he's doing in you. Qu'il est en train de faire en toi. It's not about you. Il ne s'agit pas de toi. It's about God. Il s'agit de Dieu. And God alone. Et Dieu seul. I posted on my status the other day. J'ai posté sur mon statut l'autre jour. A question. Une question. What if marriage was not meant to make us happy, but to make us holy? Qu'en serait-il si le mariage n'était pas fait pour nous rendre heureux, mais plutôt nous rendre saints? People always comment on my status. Les gens commentent souvent sur mon statut. But I receive the highest comments on that particular status. Mais j'ai reçu le plus grand nombre de commentaires sur ce statut en particulier. And a lot of people ask questions. Et plusieurs posaient des questions. How can you be holy? Comment peux-tu être saint? With a provoking husband. Avec un mari qui te provoque. Who provokes you all the time? Qui te provoque tout le temps. Even when you want to pray. Même quand tu veux prier. Allow God. Laissez Dieu. To do it. Le faire. There is a story. Il y a le chant. A story. Il y a l'histoire. In 1464. En 1464. A sculptor named Agostino di Duccio. Un sculpteur nommé Agostino di Duccio. Began working on a massive piece of work. A commencé à travailler sur une œuvre massive. In Florence, in Italy, he wanted to bring out a statue of David as he was. Il voulait ressortir la statue de David tel qu'il était. But as time went on, mais chemin faisant, 2 years he gave up in the project. 2 ans après, il a abandonné le projet. In 1476, en 1476, another person. Une autre personne, in the name of Rosellino, appelé Rosellino, started to work on the same piece of statue or marble or whatever. A commencé à travailler sur ce même sur cette œuvre. And in time, he also abandoned it. Et il a également abandonné. And in 1501, et en 1501, a 26-year-old young man, un jeune homme de 26 ans, called Michelangelo, appelé Michelangelo. Started working on that particular piece of work. A commencé à travailler sur cette œuvre. He had been given a considerable amount of money to do so. Il avait reçu assez d'argent pour le faire. As he began to work, he started removing everything around the bottom. En travaillant, il a commencé à retirer tout
sur les fondements. He said he realized that there were some unwanted parts on the bottom that could not be completely dealt with, so he transformed it to be a kind of a support for the leg of the person. Il dit qu'il a constaté qu'il y avait des choses en bas qui ne pouvaient pas être retirées complètement et il a transformé en pied de la personne. It took him 4 years. Il a fallu 4 ans. To produce an incomparable image of David. Pour produire une image incomparable de David. And today it is a piece of work that has attracted tourists around the world. Et aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre qui a attiré des touristes de par le monde. When they ask him the question, quand on lui posa la question, how did you survive? Comment est-ce que tu as survécu? He said, il a dit, his goal son was to cut out everything that did not look like David. Il a dit son objectif c'était de retirer tout ce qui ne ressemblait pas à David. And he finally brought out David as he would have been. Et il a finalement produit David tel qu'il aurait pu, il aurait there is something God is doing in our lives. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans nos vies. We have a lot of mass around us. Nous avons beaucoup de marques autour de nous. Things that are not needed. Des choses it needs the sowing of God. On a besoin. And sometimes, as He's cutting, we feel the pain. On a besoin que Dieu tranche, et parfois, pendant qu'il tranche, on ressent la douleur. We feel the pains. On ressent la douleur. Excuse me. Excusez-moi. Some of those husbands are meant to make you to become more holy. Certains de ces maris sont prévus pour te rendre davantage saint. Because when you start praying for him 3 times a day, parce que quand tu commences à prier pour lui 3 fois par jour, you cannot help, tu ne peux pas t'empêcher, but to be holy, d'être saint. Someone have said, quelqu'un a dit, I am my own worst enemy. Je suis mon pire ennemi. The things that are killing you. Les choses qui me tuent are the things that you yourself are doing to yourself. Les choses qui vous tuent sont les choses que vous-même vous faites à vous-même. I am conscious. Je suis conscient that I should not eat late in the night. Que je ne dois pas manger tard la nuit. But sweet rice. Mais un riz sucré would not allow me. Ne va pas m'empêcher. So I sit before a plate of rice. Alors je m'assois devant le plat de riz. And I say, but this rice is much. Je dis, mais ce riz est beaucoup. I can't fix this stomach if I continue eating this rice. Je ne peux pas arranger ce ventre si je continue à manger ce riz. But my mouth is telling me. Mais ma bouche me dit. One more spoon. Une cuillère de plus. One more spoon. Une cuillère de plus. One more spoon. Une cuillère de plus. And when I get up in the morning. Et quand je me lève le matin. Most children when they hug me, you see they rub my stomach. La plupart des enfants, quand ils m'embrassent, ils caressent mon ventre. Ce n'est pas parce qu'ils aiment ce ventre. It's not because they love it. C'est juste qu'ils sont en train de demander est-ce que l'homme si aussi est devenu enceinte. It's just because they are asking if this man is pregnant. We end with this. On va finir avec ceci. On the stone, on the tomb of Ruth Graham. Sur la tombe de Ruth Graham, the wife of Billy Graham, l'épouse de Billy Graham, it is written, il est écrit, end of construction, fin de la construction. Thank you for your patience. Merci pour ta patience. If God must do what he must do in our lives, si Dieu doit faire ce qu'il doit faire dans nos vies, he says he will do it. Il dit qu'il le fera. Consider those 4 words. Considérez ces 4 they mots. Are simple and direct. C'est simple et direct. No qualification. Pas de qualification. No hesitation. Pas d'hésitation. No doubt of any kind. Aucun doute. Not that he may do it. Pas qu'il peut le faire, or he might do it, ou il pourrait le faire, or he could do it, ou il l'aurait or pu he faire, would do it if he wants, ou il fera s'il veut. He says, mais il dit, he will do it
Il va le faire. If you let him. Si tu le permets. Would you allow God to do the working? Voudrais-tu le permettre de faire l'œuvre? If you do, si tu le fais, then you will get better. Alors tu iras mieux. Irrespective of the pains. Et peu importe la douleur. Let us pray. Prions. You can stand on your feet. You have been sitting down for too long. Tu peux te tenir ou rester assis, ça dépend de toi. He is able. Je vais vous poser une question. What are those areas in your life? Quels sont ces domaines dans ta vie? That you need to give him room to work in. Que tu devrais lui donner la place pour qu'il travaille. Is it found in your body or in your spirit or in your soul? Est-ce dans ton corps, ton âme ou ton esprit? We are all lacking in one way or the other. Nous avons tous un manquement d'une manière ou d'une autre. But perfection is made possible.
Mais la perfection est possible. If we allow him, si nous le permettons, to do de faire that which he must do, ce qu'il doit faire. He is the God who never abandons. C'est le Dieu qui n'abandonne jamais. Any project that he begins, tout projet qu'il commence, if only we let him. Si seulement vous allez permettre. I want you to be sincere with him this morning. Sois sincère avec lui ce matin. By telling him, Lord, I want to get better. En lui disant, je veux m'améliorer, Seigneur. Make me better. Rends-moi meilleur. Because only you alone. Parce que toi seul. Without Christ. Sans Christ. You can do nothing. Tu n'y peux rien. As we make that prayer. Pendant que nous faisons cette prière. If you are here this morning. Si tu es ici ce matin. And you don't yet have Christ in your life. Et tu n'as pas Christ dans ta vie. Why all of us, the rest of us, are presenting our struggle before God? Pendant que le reste parmi nous nous présentons, I invite you to come forward here, and we're going to pray for you to receive Christ. Si tu ne connais pas Christ dans ta vie, je t'invite à avancer pour le recevoir. For the rest of us, le reste parmi nous, lift up that burden before Him right now. Lève ce fardeau. Say, Lord, I stand on Your promise. Dis, Seigneur, je me tiens sur which ta says promise. I am going to get better. Qui dit que je vais me sentir mieux. I'm entrusting you with this area of my life. Et je te fais, et je crois en toi pour tel domaine dans ma vie. Et je fais confiance avec cette côté de ma vie. Et je te fais confiance. I want you, Lord, you alone, et walk the miracle. Et je voudrais que toi seul puisses œuvrer. Can you talk to him this morning? Est-ce que tu peux lui parler ce matin? Just talk to Jesus. Parle à Jésus. Without him, you can do nothing. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. If you don't know him in your life, come forward. I'll pray for you. Si tu ne connais pas Christ dans ta vie, avance. Je vais prier avec toi. Without him, sans lui, you can't correct that child. Tu ne peux pas corriger cet enfant. Without him, sans lui, that marriage will only grow worse. Ce mariage va être without pire. Him, sans lui, that anger will always. You will have to struggle with it for a longer period. Cette colère, tu vas devoir te battre avec anger without him. Cette that pride. Cet orgueil. Without him. Sans lui. That lust. Without him. Combatrice. That critical tongue. Sans lui, cette langue critique. Without him, that addiction. Sans lui, cette addiction. Let's sing the song one last time. Prenons ce chant une dernière fois. God is able. All the name. To accomplish what concerns me. To accomplish what concerns me today. He is able. More than able. More. To handle anything that comes my way. To handle everything that comes my way. Oh, he's able. He's able. More than able. To do much more than I could ever dream. To do much more than I could ever dream. Oh, he's able. He's able. More than able. To make me what he wants me to be. To make me what he wants me to be. Can we just give him a clap offering unto the Lord this morning? He's able. Il est capable. And he's going to do it. Et il le fera. And you are going to get better. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters.
I'll make room for two. You and I, Jesus, you are all that matters. You are all that matters. Ooh.